Eh les amis, c'est le Parisien, comment ça va? Breaking news, le Parisien, PSG, Kylian Mbappé a choisi donc de rejoindre le Real Madrid, les amis. Et voilà, le melon Mbappé, comme je parlais hier, et je comprends mieux maintenant son comportement de mercenaire, de prétentieux sur le terrain, a choisi donc de rejoindre le Real Madrid. Et bah pour moi, écoutez, pour moi, je suis content qu'il dégage du club. Et franchement, je sais qu'il ne va pas me faire que des amis, mais je m'en fous, chacun son avis. Voilà, monsieur Slapette, monsieur Melon, après avoir fait partir Neymar, Verratti, Messi, et bah lui, l'année d'après, et faire venir ses amis, hein, Dembélé, Colomani, et bah monsieur Mbappé a décidé donc de rejoindre le Real Madrid. Donc voilà, ce qui prouve que déjà qu'il n'est pas un grand joueur, parce qu'il préfère aller dans une équipe où il est quasiment sûr de gagner la Ligue des Champions au moins une fois dans sa carrière. Voilà, faut être honnête, plutôt que de rester dans un club qui ne l'a jamais gagné. Nous, Paris en l'occurrence, et qui. Qu'on la gagnera peut-être jamais, on ne sait pas. Hein, de quoi, même si je pense qu'un jour ou l'autre, on va quand même finir par la gagner. Voilà, monsieur Mbappé donc, a choisi de rejoindre le Real Madrid, les amis. Donc écoutez, moi je suis pas déçu, hein, je m'en fous. Hein, notre club a survécu à tous les départs. Et je vous dis, Mbappé, je ne le porte pas trop dans mon cœur ces dernières années. Ça me fait ni chaud ni froid. Voilà. C'est plutôt une joie de le voir partir parce que se la pétait trop et franchement son comportement même hier à Strasbourg m'a pas plu. Donc voilà. Donc je pense que voilà, donc voilà, Mbappé a choisi Madrid et moi je suis ravi de ça parce que Paris on montrera qu'on est fort sans Mbappé et voilà. Et donc j'espère maintenant que Paris on trouvera un bon attaquant en remplacement de Monsieur Mbappé et qu'on gagnera avec des champions sans lui pour le refaire redescendre son melon. Maintenant, juste une question, les amis. Hein. Là, Mbappé donc, va finir, il annonce ça en février, donc juste avant la Ligue des Champions. Si Paris, on joue le Real Madrid, ça va poser problème quand même, je trouve. Ça va quand même poser problème en termes de, je sais pas, de, il va jouer contre ses futurs employeurs. Le Real, admettons, si on les affronte, hein, si on les affronte, j'ose même pas imaginer une finale PSG-Real Madrid. J'ose même pas imaginer. Il va faire quoi, Mbappé? Vous croyez vraiment qu'il va jouer à 100% contre son futur club? Moi, je pense pas. Donc, bon, ça va être compliqué. Donc, dans le passé, on avait mis des mecs comme Rabiot, qui avait pu jouer avec l'équipe première, pour moins que ça. Moi, je trouve que si Mbappé, il y a un PSG Real, il devrait être sur le banc parce que il pourrait pas être à 100%. Il jouerait contre ses futurs employeurs. Ça serait compliqué. Donc, voilà, breaking news, Mbappé à Madrid la saison prochaine. On le savait, je l'avais dit depuis longtemps. C'est pas une surprise, moi je suis plutôt content pour lui. Bon vent, dégage, va faire ton melon là-bas. Et en tout cas, tu ne resteras pas dans mon cœur comme un grand joueur du Paris Saint-Germain. Enfin, du moins dans les légendes. Tu as été un grand joueur au PSG, c'est vrai. Meilleur buteur du club. Mais pour moi, tu ne fais pas partie des légendes du club. Voilà, pour moi, tu ne feras jamais partie des légendes du club. En termes de, je sais pas, de respect sur le terrain, de comment tu es. Je sais pas, t'as changé, t'es plus le même Kylian. Donc voilà, tant mieux, va à Madrid, dégage. Va jouer avec Vinicius et Bellingham. Et puis voilà, et puis nous on va essayer de gagner avec des champions sans toi et ça sera encore meilleur. Voilà, allez salut les amis, allez Paris. Et le pire c'est que nous les supporters on sera toujours là. Voilà, donc va faire ton arrogant à Madrid, dégage. Nous on est contents. Allez salut les amis, allez Paris.